Bonsoir Ivan. Félicitations pour ta victoire, on peut dire expéditive. Tu t'attendais à une victoire aussi rapide? Franchement, vraiment pas. Comme on dit, le KO, on l'attend vraiment pas. Faut pas aller chercher. Et là, vraiment, je suis pas allé chercher. On m'a mis un enchaînement au début. Je me suis dit, merde, s'il y a 5 rounds comme ça, ça va être chaud. J'ai serré les dents. J'ai travaillé, comme mon coin me l'a dit, travail technique et distance. J'ai travaillé ma distance. Dès qu'il s'est avancé, j'ai envoyé un high kick après son crochet bras avant. Comme j'avais beaucoup analysé qu'il envoyait beaucoup de crochets, beaucoup de low kick. Et je vois le premier, il passe au niveau de la carotide. Il se fait compter, il se lève très 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 vite. Comme quoi le slogan fort comme un turc, c'est vraiment vrai. Il se lève super vite. Et après j'ai attendu, je ne me suis pas enflammé directement. J'ai attendu jusqu'à l'ouverture et elle est passée. J'ai tapé au niveau de l'arcade et l'arbitre il a préféré arrêter. Donc, sage décision du coup pour toi? Je pense aussi, je pense. D'accord. Par contre, tu peux nous faire un petit résumé sur la coupe de cheveux, la petite couleur, c'est une petite dédicace. Explique-nous. À la base, ça devait être rouge, ça vire au rose. Les gens ils vont penser que je fais partie de la Gay Pride. Non, mais ça va avec ça. T'es en accord alors, on a des gros C'est ça. Ok, ça va. Bah, merci. Écoute, félicitations et puis à bientôt. Merci à Muay Thai TV et merci à vous. Merci.